Nous allons suivre les aventures de Zoé, une petite fille de 2 ans et demi, pleine de curiosité et d'enthousiasme. Zoé est impatiente de vivre une expérience excitante. Aller à la piscine pour la première fois, accompagnée de ses grands-parents bienveillants, elle s'apprête à découvrir un nouvel univers aquatique et à apprendre à nager. Une fois arrivée à la piscine, Zoé est submergée par un mélange d'excitation et d'appréhension. La vue de l'eau immense et profonde la rend nerveuse, et elle hésite à y entrer. Malgré les encouragements de ses grands-parents, elle se sent maladroite et peu à l'aise dans ce nouvel environnement. Zoé doit surmonter ses peurs et trouver la confiance nécessaire pour se lancer dans l'eau et apprendre à nager. Elle est angoissée face à cette situation nouvelle et inconnue. Malgré ses craintes, Zoé décide de faire un pas courageux vers l'inconnu. Elle s'agrippe à ses grands-parents et s'aventure dans la pataugeoire peu profonde, où elle commence à se familiariser avec l'eau. Avec chaque éclaboussement et éclat de rire, Zoé se détend peu à peu, se sentant de plus en plus à l'aise dans cet environnement aquatique. Ses grands-parents l'encouragent doucement à explorer davantage et à s'éloigner de la pataugeoire. Zoé commence à se déplacer dans l'eau en s'accrochant aux mains rassurantes de ses grands-parents. Elle découvre alors les joies de flotter et de se déplacer dans l'eau, gagnant en confiance à chaque instant. Après un certain temps, Zoé devient plus indépendante et décide de se déplacer en nageant. Ses grands-parents la regardent avec fierté, tandis qu'elle se lance dans de petites brasses, imitant les mouvements qu'elle a observés. Bientôt, elle réalise qu'elle peut facilement nager avec ses brassards et l'aide de ses grands-parents. C'est une victoire pour elle et une source de joie pour toute la famille. Au fur et à mesure que la journée à la piscine se déroule, Zoé devient de plus en plus à l'aise dans l'eau. Elle se lance dans de petits défis, comme sauter dans l'eau depuis le bord de la piscine et plonger pour attraper des jouets flottants. Ses grands-parents la soutiennent et la félicitent à chaque étape de ses progrès. Zoé se sent de plus en plus confiante dans ses capacités de nageuse et elle est ravie de sa première expérience à la piscine. Le moment tant attendu arrive lorsque Zoé décide de nager toute seule avec ses brassards à côté de ses grands-parents. Elle se tient au bord de la piscine, respire profondément et se lance. Ses petits bras remuent avec détermination et elle traverse la piscine avec assurance. Ses grands-parents la regardent émerveillée, réalisant à quel point leur petite fille est devenue une nageuse talentueuse. Tout le monde à la piscine applaudit Zoé, lui donnant une ovation bien méritée. Zoé ressent une immense fierté et elle réalise qu'elle a surmonté sa peur de l'eau et qu'elle est capable de réaliser de grandes choses. La journée à la piscine a été une véritable réussite pour Zoé. Elle a surmonté ses peurs, appris à nager et a découvert un nouveau monde d'amusement et d'aventure dans l'eau. Grâce au soutien et à l'encouragement de ses grands-parents, Zoé a pris confiance en elle et a découvert sa passion pour la natation. Elle est maintenant impatiente de retourner à la piscine pour de nouvelles aventures aquatiques.